Et salut tout le monde, c'est Ewok. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la suite, le second chapitre de Detroit Become Humans. Et putain, le premier chapitre nous a envoyé du rêve direct. Pour moi, je pensais qu'on allait commencer progressivement, tu vois, avoir un petit tuto dans direct, prise d'otage, une gamine qui va mourir, un androïde défectueux. Enfin, ça part tellement en couille. Mais finalement, on s'en est plutôt bien sorti. Alors, modèle AX400, reboot, memory reset. Ouais. Ça marche. Qu'est-ce que c'est que ce C'est un manteau assistant dégueulasse? ménager, robotique complet. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez Zoé, on y Ah, va. le truc ultra flashy. Ah, c'est bleu aussi, rose et bleu. L'école primaire jusqu'aux études. Oh la vache. Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien déjà? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale oh, sur toute la gamme. 7 999 $. En vrai, c'est pas hyper cher hein, règlement pour avoir un Android. Il effectue absolument tout l'entretien domestique. Peinture, plomberie, jardinage, séparation. La nuit, c'est un excellent. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer commande. Excusez-moi, combien coûte celui-là? Le prix du MP800. C'est un peu cringe quand même. Combien coûte celui-là? Tu sais, tu pointes un être humain. Enfin, c'est un androïde, mais le fait qu'il soit humanoïde, quoi, t'es en mode. C'est chelou. Oula. Et voilà. Il a l'air tellement amical, ce type. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Ouais, c'est ça. Un accident stupide. Je vois. Oh putain, on est vraiment dans le cliché du mec qui bat sa femme robot ou un truc comme ça. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. Putain, mais il a l'air tellement pas amical. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Ok, mais cool. Oh, intro. Je vais juste profiter. Wait, guys. Pas que cette musique elle ressemble un peu à Amélie Poulain, non? Bah, vite fait quand même. Genre, vous voyez ou pas ce que je veux dire? La fistinière présente. Oui, si la musique d'Amélie, c'est Amélie Poulain, je crois. Vous voyez ou je suis fou quoi? Bon, bref, désolé, je vous laisse profiter. Et graphiquement, n'empêche, le jeu il est vraiment stylé. Après, je peux comprendre aussi pourquoi mon ordi il galérait de ouf à l'enregistrer le jeu plus y jouer en même temps. Mais quand tu vois à quel point c'est beau, tu comprends un peu plus pourquoi. Et en vrai, un futur comme ça avec des androïdes pour nous faire toutes les tâches reloues de la vie de tous les jours, c'est totalement possible. I lost my job because of Android. Ah merde! Eh ben oui, si effectivement on a des androïdes pour faire toute la partie relou de la vie, le boulot et compagnie, et nous on a juste à profiter et se détendre et compagnie, mais du coup d'un autre côté, t'as plus de boulot, t'as plus de paye, donc t'as plus d'endroit où vivre, t'as plus de nourriture. J'avoue que j'ai pas forcément pensé, mais ouais, ça peut être la merde en vrai. 5 novembre 2038. 9h38. Putain, j'adore cette thématique d'une société avec des robots, des androïdes comme ça, je trouve ça tellement cool. Il y avait une série comme ça, putain, elle a le même manteau dégueulasse. Il y avait une série comme ça, suédoise, je crois, et qui s'appelait Real Humans. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à la voir. C'était vraiment cool. Genre, par exemple, ça, tu vois, des androïdes pour s'occuper des personnes âgées, je trouve ça tellement cool. Genre ma belle-mère et ma tati, elles font ça, elles s'occupent des personnes âgées, et putain, c'est tellement pas rigolo tous les jours. Hein. Pareil, tu vois, s'occuper du jardin et tout, entretenir. C'est méga stylé en vrai. Putain, le jeu est tellement beau, et tellement stylé.
Et encore là, je suis vraiment en graphisme minimum. J'ai tout au minimum hein, parce que sinon mon ordi il peut vraiment pas supporter. Hein. Mais déjà de base, je trouve ça tellement beau. Ah. Hey, de l'eau. Vous avez couru 20 km, encore 8 pour atteindre. L'Android coach sportif, c'est stylé ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh putain. Ok, désolé, il y a eu un petit freeze. J'ai eu peur que mon ordi ait planté. Attendre que le feu soit vert. Ok, putain, qu'est-ce que je suis civilisé. Ah oui, même pour les travaux, il y a des androïdes. Eh oui. C'est stylé. We want jobs. Ah là là. Ah, c'est tellement triste. Posez le GPS. Fouh. Ok, donc je dois aller par là-bas pour récupérer un colis à la boutique Bellini. Ça marche. Pour avoir des hot dogs. Bonjour. Alors, je voudrais un hot dog triple moutarde. Mais t'as pas de clientèle, mec. Non, donc du coup, oui, un hot dog avec triple moutarde, s'il vous plaît. Supplément oignon. T'as du plastique dans les oreilles, connard. J'ai dit dégage. Merde. Ah merde. Bon. Et si je me remets devant lui, est-ce qu'il va vraiment péter la cape? Non, ok, j'arrête. Qui cherche trop la merde? Oh, de la musique, hein. C'est méga stylé. C'est méga stylé que les développeurs ils aient fait ça. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien pour l'histoire d'avoir mis ça, mais putain. C'est trop cool. C'est génial. Hein. Des petits détails comme ça qui aident à l'immersion. Putain, j'adore de ouf. C'est par là? Ouais, c'est par là. Technologie corrompt l'humanité. La technologie est mauvaise. Est mauvaise. Nous serons à Dieu en créant les machines, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes que poussière. Pourquoi tu me regardes comme ça, démon? Je sais qui tu es. What the fuck? Je vois clairement toi. Comment je le regarde? Par qui le mal doit arriver? C'est toi qui amèneras Détroit à sa destruction. Oh le fanatique. J'adore comment je le regarde sans rien dire. Mais il ne reflète que les ténèbres de nos âmes. Les ténèbres. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie religion. Bon, je m'y connais pas spécialement en religion, mais genre je suis pas sûr que la Bible, le Coran ou les autres écrits religieux, ils aient des trucs par rapport aux androïdes, parce que là, limite, on crée des vies artificielles, donc ouais, j'avoue que c'est un peu la merde. Bellini Paints, c'est ici. Bonjour. Je vais rester ici et vous regarder à distance. Le gros malaise. Waouh, trop stylé. Identification vérifiée. Ah mais merde, c'est un Android. Ah mais du coup, j'aurais pu vraiment rester un moment à le regarder de loin. Je croyais que c'était un humain. Votre commande numéro 847. Ça fera 63,99$. Merci de confirmer. Putain, c'est cher. C'est quoi, c'est de la peinture? 64 boules. Paiement confirmé. Transaction effectuée. 64 boules de peinture, what the fuck? Il y a des trucs à faire ici? On peut voler des trucs? Non. C'est très joli, tous les trucs de couleurs, comme ça. Bon. Let's go! Du coup, chapitre précédent, c'était avec Connor, prise d'otage, c'était ultra intense. Et là, c'est quoi? C'est simulateur de... RV pour changer de caméra? Ouais, stylé. Là, du coup, c'est quoi? C'est simulateur de faire les courses? Attends, il y a quoi comme film à l'affiche? Alors... Target, Raiken,
Invasion 3021 Maverick, très bien. Ils auraient pu faire des parodies de films, ça aurait pu être un peu stylé. Genre Terminator, Terminator 12. Ça aurait pu être marrant. C'est par là-bas. Après c'est cool, le jeu est assez intuitif, la caméra de base elle t'indique à peu près où est-ce que tu dois aller. Ah, il y a encore un truc là-bas. Les machines, mesdames et messieurs, sont censées nous servir. Pas nous. Ah. Tu vas où comme ça, tas de ferraille? Oh merde, oh merde. Plus vite. Sans déconner. Hé hey, tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Oh non. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Putain, et... Ah, c'est affreux. Oh, mais quel monde enfoiré, sérieusement. En vrai, je peux comprendre, ils ont perdu leur taf, ils sont ultra vénères, mais... Faut mâcher. T'as nulle part où aller, on va te défoncer ta petite gueule. Non, guys. C'est un mission 2, je peux pas mourir. Ça suffit. Ah, merci mais monsieur agent. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Ah oh, putain, c'est tellement allez, cool. C'est tellement cool, ça nous met tellement dans l'ambiance. Les gens sont ultra vénères, les humains, à cause des androïdes qui leur volent leur taf. C'est tellement la merde là à l'heure actuelle pour les humains. Mais d'un autre côté, les androïdes leur font tellement du bien. Ah, c'est fou. Attends, est-ce qu'il y a des trucs tac 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 avant de prendre le bus. Non, je pense qu'on a tout vu. Good. C'est bien qu'ils aient fait une ellipse, j'avais pas spécialement envie d'attendre 20 minutes que le bus arrive. C'est déjà chiant dans la réalité, j'ai pas envie de le faire dans le jeu. Ouais, putain, ouais. Ah merde, pardon. Lui qui regarde le bus sans monter dedans. C'est un peu triste quand même, enfin, je sais pas. Cette image de tous les androïdes paquets au fond. Après, c'est que des machines, hein, mais. Je sais pas. Le fait qu'ils soient humanoïdes, tain, ça fait. Eux, ils sont exclus, on les met de côté, tu vois. Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est cool, en tout cas, il nous met dans l'ambiance. Ah, c'est déjà fini? Putain. C'est. Ok, cool. C'était rapide. Promenade dans le parc, opinion publique sceptique, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vraiment, j'ai raté des trucs, je sais pas ce que c'est en bas là. Le vendeur de hot dog pousse Marcus. Yes. Harcèle Marcus. Donc, ok, donc nous on joue un mec qui s'appelle Marcus. Ça marche. Très rapide cet épisode, mais du coup, hop. Je vous propose d'en arrêter là du coup pour cet épisode. Comme je l'ai dit, un chapitre par épisode, donc il y en a qui seront peut-être plus rapides que d'autres. Mais en tout cas, je vais continuer à faire comme ça, ça se passe très bien. C'est cool. Il sait pas... Pourquoi Gling? Pourquoi Gling? Ah, le jeu ne répond plus. C'est pas grave, de toute façon on était à la fin de l'épisode. Donc, tout ça pour dire, ouais, c'est sympa. Là, il s'est pas passé grand chose dans cet épisode, mais en tout cas, on voit bien l'ambiance de la société, à quel point c'est la merde, les gens ils ont perdu leur job, et comment ils vivent ça, en fait. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Donc bref, je suis désolé, on est en plein écran fixe avec la meuf qui nous regarde. Elle regarde dans vos âmes. Donc bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour le prochain chapitre de Detroit Become Humans. Des bisous, ciao.